les amis, on va tenter de faire un vlog aujourd'hui et j'espère que ça va être nickel. Vous allez peut-être passer une journée avec moi. Let's go. Ah, ça y est, un puck. Il est mis sur 17, il est là. En vrai, ça, c'était un très bon jeu à faire si vous ne l'avez jamais fait. Ouais, les amis, regardez ce que ce qu'on a. Finalement les amis, finalement j'ai acheté ça, cet album de métal. Alors je suis dégoûté parce qu'il y avait Iron Maiden, mais ça coûtait plus cher. Bon voilà. Bon là il est midi et on va aller manger. On verra si c'est ce qu'on va manger ici. Finalement, on va manger ça, un petit brownie pour cet après-midi. On se retrouve tout à l'heure. Désolé. Finalement, pour ce prix-là, j'ai bien mangé. Franchement, pour 13,50€, j'ai bien mangé. J'ai acheté le truc à 12h36 et je l'ai reçu à 1h. Ça va, je suis bien patienté et ça valait le coup d'attendre pour 13,50€. Bon, on va se voir faire du shopping dans quelques instants. Let's go. Alors, les habits. Il y a un petit souci, c'est que dans certains magasins, je ne pouvais pas filer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la journée, il y aura un compte rendu. Il y aura un compte rendu de ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Et on va continuer à faire le vlog. Aussi à filmer, qu'est-ce que je peux filmer pour vous montrer. Et on se retrouve tout à l'heure en fin de vidéo pour vous montrer ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Let's go! Alors là, il est 3h26. On va bientôt rentrer chez nous. En tout cas, je vais bientôt rentrer chez moi. Et c'est compliqué alors. On va essayer bien de. Ok, yes. Alors. Il faut savoir que ce petit vlog de quelques minutes, c'est aussi un entraînement pour moi, pour mon voyage en Pologne que j'effectuerai en juillet, si tout se passe bien. S'il n'y aura pas beaucoup de problèmes avec le coronavirus. Du coup, voilà, ce sera un petit entraînement. Et n'hésitez pas à commenter X Wolfsay en commentaire juste pour me soutenir, ou sinon à commenter vraiment la vidéo pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. On se retrouve juste après pour le déballage, peut-être des choses que j'ai pu acheter aujourd'hui à Cap Sacré-Cœur à La Réunion. Bon ben là on va rentrer chez nous et on va filmer quelques petites séquences et après on retrouve juste un peu pour voir les achats que j'ai pu faire cette journée. Let's go. Oh ben il faut que je règle le cadrage après. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I de retour chez moi. Attendez, je ferme ma fenêtre. Voilà, j'ai fermé ma fenêtre et du coup la qualité est amoindrie, vraiment désolé. Alors du coup là on est en fin de vidéo et comme j'avais dit au début de vidéo etc, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui, que ce soit à Leclerc de Saint-Leu ou à Cap Sacré-Cœur à La Réunion. En tout cas, alors on va commencer par ce que vous avez déjà vu en vidéo, hein. C'est cet album de métal, Within the Runs, Halfway Human. Franchement, j'ai hâte de l'ouvrir. Parce qu'en fait, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si le CD a été mal mis ou pas. Voilà.
Alors, si vous savez pas quelle est la différence entre CD ou DVD, etc., je mettrai un lien en description parce que j'ai écrit un article dessus et du coup, j'aimerais qu'il y ait des gens qui lisent. Du coup, bah, finalement, 10,50€, hein, mais je l'ai payé à 9,88€. Franchement, j'espère que je vais aimer, tout en plus que j'aimerais bien découvrir certaines choses d'autres. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'étais parti à la Fnac après, on n'avait pas trop le droit de filmer. Et à la Fnac, j'ai craqué pour ce DVD, Max Steel, que j'ai payé à une somme de, à la somme de 15€. Franchement, 15€ pour ça, j'espère que ce film en vaut la peine parce qu'il dure 1h32, hein, 1h32, et c'est un super-héros. Comment développer l'histoire d'un super-héros en 1h32, j'espère que ça vaudra le coup, je l'espère sincèrement. Mais voilà, désolé encore pour la luminosité, je vais essayer de arranger ça, j'espère. J'arrive pas, je suis vraiment désolé les amis. Mais en tout cas, pour 15€ ça, et dites-vous que pour 20€ j'avais la version Blu-ray, et j'avais pas envie de débourser autant pour un petit film à 1h32. Non, en plus je sais pas est-ce que ça vaut. Je regardais la bande-annonce vite fait, ça me tente pas trop en vrai. Mais je vais regarder ça ce soir, voilà. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Après j'étais parti à Carrefour, au Cap Sacré-Cœur, et j'ai acheté ceci. Voilà. Une carte SD, une carte mémoire comme vous voulez, de 32Go, classe 10. C'est important la classe 10, je vous préviens, j'ai mis classe 10. Et ça, selon le papier, s'écrit jusqu'à 100 mégabits par seconde. J'espère que c'est vrai parce que ça me sera utile, surtout que là j'ai pris en 32Go parce que de base j'ai que 8 et 16Go en ma possession et c'est très court, 16Go, et surtout pour les vidéos je vais mettre ça dans mon smartphone ou dans laquelle j'ai fait des vidéos et des montages, etc., pour stocker plus de données pour les vidéos, ou peut-être je vais juste garder ça dans un coin de ma tête et comme ça quand j'aurai besoin je l'utiliserai. Je vais plutôt faire ça plutôt. Et on sait qu'est-ce que j'ai acheté encore. J'ai acheté un t-shirt, les amis. Bon, vous, on va vous mettre là-bas. J'ai acheté un t-shirt. Franchement, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce t-shirt dans l'espace commentaire. Voilà. Franchement, je kiffe ce t-shirt. Alors, désolé encore pour la luminosité. Je vais essayer d'allumer ça. Alors, je sais pas si ça va être mieux, mais je suppose que oui, ça va être mieux. Du coup, voilà. Ce t-shirt, franchement, il est magnifique. Alors, combien je l'ai payé? Pas trop cher, en tout cas, 9,99€. Franchement. J'ai dit que je ne sortirai pas de Cap Sacré-Cœur si je n'ai pas un t-shirt du genre. Si j'avais pas la tête de crâne, sur un t-shirt, si j'avais pas ça, j'achèterais pas. Et franchement, je surkiffe. Alors, cette vidéo a été tournée en janvier, hein, bien évidemment. Pour preuve, c'est pas une preuve suffisante, mais ça a été tourné en janvier en tout cas. Et elle sera postée en février, le 15 février. Donc voilà. Donc là, vu qu'on a un peu de lumière, je vous montre à peu près tout ce que j'ai acheté là. Voilà, en lumière c'est mieux. Et tadam, voilà. C'est pas grand chose en tout cas, mais j'ai acheté de la bouffe, donc ça compte aussi. Et j'espère vous retrouver au mois prochain, au mois de mars, le 15 mars. Et moi je vous dis à ciao pour une vidéo, et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo et me dire ce que vous en pensez de ce petit vlog, la première fois que je fais ça. Et ce sera aussi un challenge pour moi, pour m'entraîner un tout petit peu pour mon vlog en Pologne. Salut à tous, c'était Gosset, ciao tout le monde, bye bye.